Il a choisi le côté gauche de la piste, le côté droit de votre écran. Petite prise de risque peut-être, on va voir. Oh, mais derrière, non, prise de risque, regarde, il marche tout seul. Allez, voilà, terminé. Tout de suite, il va fermer la porte à Yann Herlacher. Mais il a un champion du monde derrière. Et bon, champion du monde. Double champion du monde. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est gagner cette super finale ici, cette super finale au Trophée Andros à Lens-en-Vercors. Et il va tout donner, Yann Herlacher. Ah, ça, mais il y en a un autre qui va tout donner. Et bam, il déclenche, regarde, il est déjà à l'attaque. Ah oui, on va avoir six tours merveilleux là, parce que imaginez, hein, Panis, Herlacher, Berton, Dubourg, Muller, Ferrier. C'est quand même une super finale exceptionnelle avec un niveau de pilotage qu'on attend fabuleux. Et c'est bien parti avec le départ en fanfare, tambour et trompette pour Aurélien Panis. Mais derrière, il y a la banda du... Ah, il attaque il attaque, bien sûr qu'il attaque. Tu croyais quoi qu'il allait... Et ben voilà. Oh, attention. Attention à Aurélien. Il est passé. Aurélien, il est faut passé. Pas faire la même erreur que Dorian non, hier non, soir. Faut laisser aller, faut laisser aller. Mais non, c'est un attaquant aussi. Il va y retourner au combat. Il va y retourner, mais attention de ne pas casser la voiture quand même. Vous avez bien fait de rester, mesdames, messieurs, parce que ce soir c'est un duel de choc. Ah oui, mais là il faut pas faire de bêtises. Et pour l'instant, Yann Herlacher, il voulait la victoire dans cette super finale. Il est parti pour aller la chercher. Et pour l'instant, Yann Herlacher récupère le retour du tour. Un point supplémentaire en 47-9 pour le pilote de la DuPC, numéro 68. Ah, quel week-end, hein, quel week-end, oh, quel génial. Fin de week-end pour Yann. Alors, on dit qu'on ne peut pas trop dépasser ici. On aura eu, je ne sais pas combien de dépassements hein, tout au long de ce week-end, mais il y en aura eu. Qui c'est qui dit ça? Oh, ben, on en dit toujours, hein, que c'est compliqué. Enfin, moi, mais je ne me souviens pas. Hein, franchement. On a dit que c'était compliqué. Bon, j'ai souvent fini au collège des commissaires. Maintenant, ils sont un peu à la retraite, mais depuis qu'on a arrêté tous. Mais ça se passe bien. Effectivement. Allez, il y en a un lâché qui s'envole. Regardez, il a déjà pris un peu plus d'une seconde sur Aurélien Panis. 44-8, c'est le nouveau record du tour pour Yann Herlacher, réalisé dans le deuxième tour cette super finale. C'est top. Et derrière, eh bien, on a un petit trou quand même, hein, parce que Nathalie Baton est à 3 secondes 6. Attention, Jean-Baptiste Dubourg, 3 secondes 9. Yvan Muller à 5 secondes. Et Christophe Ferrier à presque 7 secondes maintenant. Et là, peut-être que... Oh là là, le passage là, de Yann Herlacher, on n'aurait pas mis une feuille de papier à cigarette entre la voiture et le mur de neige. Là, t'es au millimètre. Là, t'as affaire à des champions. C'est tout. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une finesse de pilotage sur la glace avec des clous qui s'usent. Tous les tours, il faut que tu remettes l'ouvrage en question. Et tous les tours, il faut que tu comprennes pourquoi la piste elle évolue et comment tu vas l'exploiter. Et Yann Herlacher, pour l'instant, il a fait 44-228. À tous les tours, il bat le record du tour. Hein. Il a battu dans le premier, dans le deuxième, ils viennent de le battre dans le troisième. Il y en a un qui va te remonter comme un coucou pour la finale, la super messe, c'est Yann Herlacher. Oui, parce que Yann, il peut jouer encore une place sur le podium, c'est pour ça que tous les points pour lui sont à aller chercher. Il y aura un seul décompte cette année, on a fait que 9 courses, il n'y en aura pas deux. Absolument. Il y aura un seul décompte, ça va être très très serré. Oh, la descente là-bas, c'est toujours aussi impressionnant. Puis regardez, les écarts, c'est pas énorme hein, entre les voitures de tête. Et derrière, on a une jolie petite bagarre là entre Nathanaël Berton et Jean-Baptiste Dubourg pour la troisième place. Jean-Baptiste, il assume sa place. Il essaye de trouver la faille. Il met la pression sur Nathanaël Berton. Mais qui peut mettre la pression sur un garçon qui fait un championnat du monde de tourisme? Ouais, magnifique. J'adore ça. Yvan, sort de cette voiture. On dirait Yvan Muller qui conduit cette voiture. Mais non, c'est Yann Herlacher qui est en tête, qui bloque les roues, qui rentre complètement au travers dans l'avant-dernier tour. Ah, qu'est-ce qui nous fait plaisir là, Yann. C'était magnifique ce passage dans les pingouins. Régale-nous. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, il m'a fait kiffer là. Ah, c'est beau. Ah oui, c'était magnifique. Ah, et puis bon, là, on va pas chercher le chrono juste au millième. Là, c'est le spectacle aussi dans cette finale. Allez, va. Allez, Jean-Baptiste. JB qui va y aller là. Oui. JB qui va y aller. C'est bon. JB qui va passer. Va. Non, on ne passera pas. Il va se relancer plus vite. Attention. Alors, il va se passer quelque chose. Ah oui. J'en connais certains, ils sont passés derrière l'arbre. Ouais, mais. Oui, mais maintenant. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Non, Nathanaël Berton a réussi à fermer la porte. Ouais, le passage encore. Ah, c'est magnifique. De Yann Herlacher, magnifique dans l'épingle du haut du circuit. Et t'as vu comment il gère. Regarde le balai, là. Ouais, mais t'as vu Aurélien comment il gère. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de débat, il y a pim pam poum. Allez, hop. Bah oui. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que le résultat est là comme ça. Il a su, sans faire l'épicier, hein. Ça, il n'a pas fait l'épicier. Parce que faire l'épicier, ça veut dire gérer sans prendre aucun risque. Ça n'a pas vraiment été le cas. Alors, moi, j'ai rien contre les épiciers. Mais moi non plus. Mais... Je laisse faire. Salaud. Mais voilà. Et l'arrivée, Yann Herlacher qui s'impose après une superbe bagarre avec Aurélien Panis.
Oh, c'était génial. 2,5 secondes entre les deux pilotes. Ensuite, on va retrouver Nathanaël Berton et Jean-Baptiste Dubourg qui ne se sont pas quittés durant les 6 tours de cette super finale. Yvan Muller 5, Christophe Ferrier 6. On vous confirme donc, et j'espère que vous allez l'applaudir, le complimenter tout de suite et au podium tout à l'heure. Allez, un petit 360. Ouais, et 2-2. Bravo. Yann Herlaché, donc, qui salue le public. Il y a beaucoup de monde là-bas dans l'épingle. Ouais. Et ça, c'est pour saluer le public. Merci à vous. Alors, est-ce que... J'ai trouvé un public timide. Il n'y a pas de boule de neige cette année. Ah ben, heureusement. Hein. Allez, voilà, lui, il a ouvert la portière pour vous saluer. Yann Herlaché, vainqueur de cette journée, vainqueur du trophée Andros 2023. Voilà, le nouveau vainqueur du trophée Andros. Et ça fera 2 pour lui. Hein. Ça fait 2 pour lui. Et voilà. Il s'impose chez lui avec la voiture aux couleurs de l'Isère. Ça, c'est un beau remerciement pour le département qui le suit depuis 3 ans maintenant. Voilà.